Le prince Harry n'est resté que 36 heures au Royaume-Uni pour assister au couronnement de son père. Après la cérémonie du couronnement, il est passé à Buckingham Palace et y est resté moins d'une demi-heure seulement. Le duc de Sussex n'y a trouvé aucun membre de la famille royale. Le prince Harry a assisté au couronnement de son père, le roi Charles III, le samedi 6 mai dernier à l'abbaye de Westminster. Le duc de Sussex n'était pas accompagné de sa femme, Meghan Markle, qui était restée en Californie pour s'occuper de leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Le prince Harry, 38 ans, n'a passé que 36 heures au Royaume-Uni pour assister à cet événement historique. Il avait également séjourné dans son ancienne maison familiale de Frogmore Cottage à Windsor, selon le Télégraphe. Le jour J, le frère du prince William a été pris en charge par une BMW noire et conduit à l'abbaye de Westminster sous la protection de Scotland Yard. Le palais de Buckingham a été prévenu de la courte durée du séjour du prince Harry. Seulement, avant de rentrer en Californie, le royal aurait fait un détour au palais de Buckingham, ont confié certaines sources au Mirror. Seulement, il n'y aurait trouvé aucun membre de la famille royale. Le prince Harry serait resté moins d'une demi-heure au palais après la fin du couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster. Par la suite, le duc a quitté le palais pour se rendre directement à l'aéroport d'Heathrow afin de rejoindre sa femme et ses enfants. Prince Harry, absent des photos officielles du couronnement du roi Charles, notons que cette apparition du prince Harry aux côtés de sa famille est la première depuis la publication de ses mémoires Spare. Lors de la cérémonie de couronnement, le duc de Sussex était assis au troisième rang, deux rangs derrière le prince William. Il ne figure pas non plus dans les photos officielles du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla. En tout, quatre photos ont été prises au palais de Buckingham après la cérémonie du couronnement et après l'apparition du couple royal au balcon du palais pour saluer la foule. À propos de l'auteur Yvan Gs de derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement. Jeremy Renner au bord des larmes. J'ai décidé de, il revient sur son dramatique accident dans.